Le projet d'Ortaillé, je pense, c'est une suite logique de ma rencontre avec le directeur de Mofatalé, M. Dietmar Lupfer, que j'ai connu en 2009 parce que le GUD m'avait offert une bourse pour aller en Allemagne, à Hambourg, faire une formation en management culturel. Donc depuis, on a gardé le contact. Donc on a commencé à établir le premier projet intitulé d'Ortaillé. On est allé chercher les partenaires, GUD Institute, la ville de Munich, Mofatalé et Musique d'Afrique et la fondation Siemens. On a cherché 3 ou 4 artistes sénégalais, Matador naturellement, Didier Djibé, Namelo Siré et Katie. Donc on est allé à Munich, on a le courant du mois de mars, on a rencontré des artistes allemands. On a fait une semaine de résidence, d'atelier, on a enregistré des morceaux et on a fait un excellent, vraiment excellent concert à la Mofatalé. Dans le cadre des 10 ans de festival, déjà, on les a proposé de reconduire le projet pour que les Allemands viennent à Dakar, rencontrer et découvrir la scène musicale locale. L'autre axe fort de cette coopération avec Mofatalé, ça va être un centre international des cultures humaines qui sera érigé dans la ville de Pékin. Déjà, il y a 2 ou 3 partenaires qui sont signalés, en commençant par la ville de Pékin, qui a octroyé gracieusement 10 000 m² dans ce qu'il appelle la nouvelle Pékin. Donc ce sera un centre vraiment avec des salles de danse, des salles de répétition, des studios d'enregistrement, des lieux de concert, du cinéma, un skatepark, et de la formation aussi en management, marketing, communication événementielle et tout ce qu'on a l'habitude de voir dans un centre culturel fonctionnel. En gros, c'est ça. Donc, Mofatalé reste le plus grand partenaire dans ce projet. On a aussi la région Île-de-France, la ville de Pékin, comme je l'ai dit, et le gouvernement sénégalais à travers le ministère de la Culture et de la Communication. Mein Name ist Dietmar Lupfer und ich leite in München ein großes internationales Kulturzentrum, und zwar die Muffathalle oder das Muffatwerk. Es ist eine Bühne, wo wir im Jahr so 200.000 Besucher haben und es kommen Künstler aus über 100 Ländern. Vor ein paar Jahren hat auch in einem Austauschprogramm der Amadou Fall bei uns ein Volontariat mal gemacht und war ein paar Wochen dort. Und da haben wir eigentlich beschlossen, wir werden in Zukunft auch den Kontakt bleiben und gerade an Hip-Hop weiterarbeiten. Im März haben wir ein Austauschprojekt dann gestartet und haben verschiedene Hip-Hopper aus dem Senegal, sowie Matador und PPS, nach München geholt. Dort zusammengebracht mit lokalen Musikern und Rappern wie Blumentopf, die in Deutschland ja sehr bekannt sind, Main Concept. Und die haben dort zusammen im Studio gearbeitet und auch auf der Bühne. Und jetzt sind wir hier. Michael Jaismann, der Direktor hier vom Goethe-Institut Dakar, hat sich sehr dafür eingesetzt, dass es diesen Gegenbesuch geben kann. Und das Festival Festa to Hage ist natürlich ein guter Anlass und wir sind gerne gekommen. Also ich hoffe, dass auch das Goethe-Institut und andere deutsche Stiftungen weiter für so eine Art von Kulturaustausch zu interessieren sind. Gerade auch der Auftritt in München von Matador und allen hat bewiesen, sie müssen sich nicht verstecken, sie sind up to date und sie sind einfach gut. Senegal. 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 Senegal.